Ça va mon petit Dédé ? Ça va, et toi ma petite Margot ? Oui, ça va. Dis-moi, quel est ton rôle ici ? On te voit partout, courir partout torse nu, mais pour les téléspectateurs ? Mon rôle, c'est de courir partout. C'est de courir partout. Et tu t'occupes des artistes, du coup ? Je m'occupe des artistes, je m'occupe partout où il y a besoin, en fait. Hein. D'accord. Et t'es toujours torse nu ? Je viens de régler un conga, avec une clé à molette. Toi ? Il faut une formation pour régler ça ? Eh ben non, je règle avec l'artiste. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que tu sois en bonne entente avec les artistes. Voilà. C'est pas toujours le cas ? C'est très peu souvent le cas. En général, ça se passe très très bien. Bon, eh ben tant mieux. Ça fait combien de temps que t'es bénévole ici ? 11 ans. 11 ans, d'accord, super. Et du coup, donc t'as fait ton premier festival de chauffer il y a 11 ans, donc là t'es là pour les 25 ans. T'avais quel âge il y a 25 ans ? Ah, quel âge j'avais il y a 25 ans ? Moi, j'avais 25 ans. Ah bah oui. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans. Hein ? J'ai pas vu le temps passer. C'est fou. Il s'est passé quoi il y a 25 ans pour toi ? Il s'est passé... j'ai découvert un peu le milieu des festivals parce que j'avais déjà travaillé en salle de spectacle, mais pas en festival. C'est le premier festival où j'ai travaillé comme bénévole. Et dans 25 ans, tu seras toujours pour les 50 ans du festival de chauffer dans la noirceur ? À réparer des congas et tout ça ? Alors, je suis pas sûr d'avoir toujours 25 ans dans 25 ans, mais j'essaierai. Hein, et je pense que je serai toujours là. Ouais. Enfin, je l'espère, en tout cas, si on veut bien de moi. Avec plaisir. Tu seras peut-être devenu un peu flasque. Ah bah, c'est possible. Je serai mon Iggy Pop, là, pour de bon. Là, je serai un peu tout tordu. Je te remercie, Dédé. Je te fais un gros bisou.